Alors suffisamment pour redevenir une menace, non pas fantôme, mais sur Daniil Kvyat. Ouais, mais Kvyat veut aller chercher Stroll aussi. Tout le monde veut aller chercher tout le monde. Tout le monde court après tout le monde dans ces derniers tours de course. Et Leclerc est à 1 seconde 3 devant de Sébastien Vettel, sachez-le, notez-le, 1 seconde 1 même en temps réel. Vettel-Leclerc, le premier combat, alors ce n'est pas pour un podium ni pour une victoire, mais c'est un combat psychologique et interne extrêmement important dans ces derniers tours de course. Oui, même si c'est grâce aux stratégies, il a une influence primordiale. Libre de se battre, et bien c'est ce que nous allons voir. Il va rester 8 tours, un peu plus de 8 tours pour...